Bonjour et bienvenue dans ce second volet. L'instant de Yadia, ce sont des petits messages sur la vie, une promenade intérieure, un point de repos et de réflexion. C'est une respiration profonde avant de reprendre son chemin. Prenez un instant pour vous installer confortablement et préparez-vous pour une pause fraîcheur sur un fond de poésie. Bien installé, vous prenez un temps pour vous connecter à votre souffle. Vous amenez peu à peu une respiration douce, chaleureuse, qui installe le calme en vous. À présent, je vous invite à inspirer profondément par le nez. À la fin de l'inspiration, faites une rétention d'air de 3 secondes et expirez profondément par la bouche. À la fin de l'expiration, suspendez votre souffle un court instant et reprenez une belle inspiration par le nez. Inspirez par le nez. Bloquez. Expirez par la bouche. Bloquez. Et ainsi de suite. Faites cette pratique en conscience. Inspirez profondément l'énergie de vie et en expirant, libérez-vous des tensions. Je vous invite à faire cela 5 fois. Ensuite, revenez à une respiration naturelle tout en observant ce qu'il se passe en vous. Sans juger, sans vous y attacher, c'est à vous.
vous voilà enraciné dans le présent, conscient, consciente des énergies subtiles qui vous animent. Vous êtes conscient de vos jambes. Vos bras. Votre ventre. Votre poitrine. Le dos. Le cou. La tête. Vous vous sentez bien dans votre corps. Vous appréciez d'être ici, en vie, et vous respirez calmement. Vous voilà plus détendu, gagné par un sentiment de liberté. Je vous propose à présent de vous laisser guider par le son de ma voix pour la lecture de ce petit texte. Quelques mots pour rendre hommage au commencement. Source de notre vie, de nos origines. La source. Petit filet d'eau cristalline et paisible, au fil des âges, notre parcours dessine ses propres courbes. Petite goutte d'eau qui perle, nous devenons et grandissons. Chaque élément contribue à notre développement. Seule, une goutte d'eau s'évapore et se dissipe. Unie, elle forme le cours d'eau qui va irriguer et fleurir notre rive. Une myriade d'exemples nous sont offerts comme des cadeaux. Passant entre roche et terre, elle se nourrit. De sa fraîcheur naissante, elle prend vie. Elle donne la vie. Torrent ou fontaine, courant paisible ou bouillonnant, ici et là, nous irriguons, lavons et désaltérons. Des richesses invisibles et rayonnantes coulent de nos ancêtres. Nourris de nos apprentissages et de nos expériences, nous évoluons grâce à nos ressources et nos racines. Épaulés et guidés,
nous nous accomplissons. L'eau limpide et calme abrite dans ses profondeurs toute une vie, une multitude de sentiments y prennent naissance. Amour, déception, joie et peine. Nourrie de ses émotions, l'âme va à son tour fleurir la rive d'espoir, de pardon et de courage. Les fleurs éclosent tour à tour pour que demeure immortel l'arc-en-ciel qui brille en nous. Le cours d'eau sait que son murmure nous parvient. À sa source, nous irons nous abreuver. Il nous indique l'endroit pour reprendre souffle, courage et apaisement. Si on sait entendre et apprendre son langage, nous aurons la connaissance. Derrière nous, le paysage peut changer. Il passe d'une couleur verdoyante aux couleurs automnales, en cycle régulier. Lavons-nous de toute tristesse. Poursuivons le cours d'eau joyeusement, sans appréhension. Chérissons notre parcours et prenons conscience de toute sa richesse. L'eau pure et claire apaise la soif de tendresse. Goutte d'eau qui roule sur les joues dorées d'une lune, source de mémoires anciennes, l'eau vibre et dessine sa rive. Il n'y a pas de temps défini pour atteindre l'océan. Notre parcours nous est propre. Nous parviendrons au bon endroit, au moment voulu. Prenons soin d'alimenter notre source. Ouvrons nos yeux au paysage qui nous entoure et à l'invisible. Amour et bienveillance suffisent pour parcourir le plus beau des voyages. Restez encore un instant avec l'énergie de ce texte. Restez connecté à la source, à votre source. À votre rythme, accompagné de fraîcheur et de douceur, vous reprenez conscience de votre corps. Vous respirez sereinement. L'énergie de vie circule librement. Vous appréciez ce moment.
conscience du corps. Conscience de votre environnement. Vous vibrez l'harmonie et, à votre rythme, vous pourrez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, puis à vous étirer, puis à vous étirer. Nous espérons que ce petit texte vous a apporté force et gaieté. Nous vous envoyons tout notre amour et vous disons à très bientôt.